Donc le PGHM est en place 24-24, en fait on est 3, il y a un vigie permanent qui est sur l'arête avec en visuel le couloir, de jour comme de nuit, avec un bouton poussoir et qui vient en renfort en fait du système déjà installé. Et si jamais on voit venir un effondrement ou un trou de supérieur d'un mètre carré, on appuie sur le bouton pour prévenir et déclencher l'alerte qui est en bas. Donc on a pompé 16 800 m3, autour de 17 000 ce matin. La hauteur d'eau est à moins 50 mètres à peu près. Donc on a gagné 5 bars, donc on a diminué 5 bars la pression. Et puis on fait des relevés topographiques, donc on a réussi à en faire un, en finir un après le dîner hier soir. Et on n'a pas vu d'évolution significative du toit de la cavité, ce qu'on suit pour voir s'il y a une tendance à l'affaissement. Pour l'instant on n'a rien vu du tout. Donc tout se passe bien, on pompe 5000 m3 toutes les 24 heures à peu près. Et voilà, on va refaire un levé topo à la mi-journée. Là on est en train de préparer les pieux pour faire les visées topographiques. Et bien là on a installé des cibles en fait sur le glacier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va contrôler si les pieux qu'on a installés ils bougent ou pas, quoi. C'est un petit peu la seule manière de contrôler, de voir si la voûte glaciaire s'affaisse ou pas. Au niveau de la surveillance, eh ben, il faut s'assurer que les pompes marchent bien, qu'elles ne s'arrêtent pas, parce que si les pompes s'arrêtent et que les tuyaux de refoulement sont pleins d'eau, ça va nous les geler rapidement, quoi. Donc là maintenant le principal, c'est surveiller les pompes qu'elles fonctionnent bien et l'évacuation de l'eau. Nous, notre rôle, c'est de tenir à disposition l'énergie, que ce soit en termes de distribution ou de fourniture, donc par l'intermédiaire de groupes électrogènes avec le réapprovisionnement des groupes, et en termes de fuel, l'assurer que la continuité électrique soit faite de partout. Et puis à mesure qu'on déplace les puits, mettre l'énergie sur les différents points où on en a besoin.